Voilà, on est à un bon mois et demi des Jeux Olympiques et on est à un mois de notre départ au Japon. On part le 11 juillet, donc les jours commencent à se compter et c'est là une session importante pour nous parce que c'est notre dernière grosse session d'entraînement avec du monde avant de partir pour le Japon. On va faire 7 medal race et donc il y a un classement global sur les 7 medal race. Ça sera votre quart de finale contre Giacomo. Ça va être chaud, je pense. Au point de 14. Pas que la partie. Sur l'eau et aussi coller des autocollants. Hop là. Un petit travail de patience avant de partir à l'action sur l'eau. Yes, la chance d'avoir ce partenaire fidèle qui nous soutiennent dans ce truc là. Nickel. Voilà. Facile. C'est bien là. Pas de but. Non, mais c'est en plus que galère, ça, c'est ces petites lettres là ici. Là. Là, on est sur les voiles des jeux là. Surtout sur le ski aussi. La medal race, c'est la dernière course des Jeux Olympiques où qui se court entre les 10 premiers. C'est une course beaucoup plus courte. C'est assez intense au niveau physique, au niveau du cardio et la manche se passe très très vite et l'erreur se paie cher quoi. Et donc là, on a profité de la venue de l'équipe de France Relève, qui est une ligue en mixte, qui se prépare pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, qui est venue ici pour nous aider à nous préparer sur cette thématique-là, et avec les filles, l'équipage féminin aussi, qui est sélectionné pour les Françaises et puis les Polonaises aussi, qui sont là, et nos partenaires italiens. Et donc ça fait une bonne petite flotte pour s'entraîner sur cette thématique-là et donc ça c'est le programme du week-end, là, vendredi, samedi, dimanche. The sun, it shines for you. The grass is green, the sky is blue. And there you are, like you are. You're feeling so... Tu vois, on a pu tester les grands voiles des jeux et on a pu voir qu'il n'y avait pas de problème dans chacune des voiles, donc maintenant il va falloir qu'on choisisse, mais en tout cas il n'y a pas de gros défauts, donc c'est bon signe. Ouais, c'est cool. Tu vois là, la voile est toute blanche parce que il n'y a même pas les lettres des nations et tout, et ça nous arrive jamais de naviguer avec des voiles toutes blanches comme ça. Et après il y aura des décos qui seront posés aux Jeux Olympiques avec la voile qu'on choisira et ils poseront une déco dessus quoi. Voilà. Ça c'est la routine de tous les jours et sans dire qu'en Méditerranée il faut y aller à fond parce que l'eau est salée. Allez voilà. Et surtout du taboulé, des carottes. Du taboulé surtout. Du taboulé. Les gars, le carton. Ah, une machine. Eh oui, tu pars sur le côté à chaque fois. Tu vois, c'était con. Ah, ça commence à piquer là. D'experts et vraiment ils se donnent à fond et ça donne plus l'envie, c'est d'être à fond dans ce domaine là quoi. Et voilà, là, c'est les séances comme ça, c'est à peu près 5 fois par semaine quand il n'y a pas de nav, et ça peut être 5 fois par semaine en nav ou plutôt 3, et voilà, ça bombarde bien, mais après ça paye sur l'eau, donc c'est cool. Là, on enchaîne avec une petite réunion avec des experts anciens match racers de haute volée. C'est après la navigation tous les jours. Bon là il y a un peu de vent en plus, donc ça va encore piquer.
c'est l'objectif de notre projet, quoi. Et du coup, que le fonctionnement il soit différent. Et que ça manque de bienveillance, soit vraiment un petit manque de bienveillance et de soutien pendant ce moment-là, ce serait un truc qui me mettrait un peu en galère tête. Donc il y a une énorme frustration sur ce qui se passe sur la dernière, mais n'empêche que le champion olympique ce soir, c'est vous, c'est pas lui. Et c'est vous. Enfin, moi, la discussion-là, elle est intéressante, tu vois. Alors, c'est important. Et moi, encore une fois, la frustration, c'est bon, c'est pas juste de faire dernier ou quoi que ce soit, c'est de... Faut trois cap, le bras, c'est le cap. C'est ça, ok. Encore. 8, 9 et 10. Alright. Oh, sa mère. Ah là, on a bombardé là. Bon, une fois que ça se termine alors. Bah ouais, carrément là. On avait vraiment beaucoup de choses à faire. Bah, ce dossier-là, le dossier prépa physique qui reste le truc incontournable dans toutes nos semaines qui nous attendent jusqu'au jeu. Et voilà, des voiles à tester, les voiles des jeux. Des règles de course à bosser avec des arbitres qui sont venus, voilà, donc on avait vraiment beaucoup de choses à faire et on a réussi à vraiment tout faire globalement, donc voilà, maintenant place à un peu de communication, un peu de stage prépa physique, un peu de cohésion, un petit passage au Havre pour revoir un peu les partenaires et tous ceux qui nous soutiennent et puis voilà, hein, je crois qu'on est dans la dernière ligne droite. Et on se retrouve au Havre alors. Exactement.